Vous savez à quoi on voit une société qui va bien dans mon monde à moi, hein? C'est quand elle a de bons comiques. Quand le rire quitte une nation, alors la nation est en danger. Mais dans votre vie, quand le rire quitte votre vie, que vous devenez sérieux ou simplement déprimé, là aussi, vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce que le rire, c'est le mouvement de la vie. Quand on tremble de peur, hein, on a le corps qui se secoue, on dit tu trembles, carcasse, hein? Mais quand on rit, on tremble. C'est-à-dire qu'on tremble, mais on a traversé la peur. Souvent, les gens qui n'ont pas grand-chose ou autres peuvent rire de leur situation d'une façon éhontée, n'est-ce pas? Et ça leur fait un bien fou. Et quand, des fois, dans la misère, il y a une soirée, hein, qui se passe où on commence à rire des catastrophes que la vie envoie, eh bien, il y a une force dans la soumission qui est la puissance du rire. Alors, le rire secoue et après les larmes de fond, après cette tristesse, cette fixité qu'entraîne la douleur, le rire remet du mouvement dans la vie. Et quand vous êtes dans une situation un peu triste et que dans la chambre à côté, il y a le rire d'un enfant qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. C'est comme les grelots de la vie qui chatouillent votre colonne vertébrale et vous disent, allez, transcende, laisse passer. Le rire est une médecine dont on a vraiment besoin pour grandir. Pour moi, c'est l'âme du sacré qui s'exprime. Ciao!